this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Et bien bonjour les gens et bienvenue sur la chaîne de Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve et bien sûr Scrap Mécanique. Pour information, c'est un jeu qui a déjà de l'ancienneté, surtout pour ma part qui le connaît depuis presque... Depuis le temps que je joue au PC, même bien avant je jouais au PC, mais c'est l'un de mes jeux favoris que j'ai eu sur PC au tout début, dans mes débuts de jeu, tout simplement. Alors qu'est-ce que Scrap Mécanique? Bah tout simplement, c'est un jeu qui est déjà sorti en 2016, hein. Il est sorti en janvier 2016, donc tout début 2016, quoi. Donc, et là on est en 2023 et je trouve toujours aussi bien, autant d'améliorations. Le jeu n'a pas été abandonné par la franchise, hein. Il continue d'avoir des mises à jour, la dernière mise à jour remonte jusqu'au 3 novembre, donc c'est assez frais, c'est assez récent quoi, c'est frais. Le jeu est au prix de 19,99€ sur Steam, hein, donc des fois vous avez des petites soldes qui sont sympas. Voilà, donc le jeu comporte plusieurs modes de jeu. Alors déjà on va se faire un petit caractère, un personnage, donc c'est toujours des nains, hein. Faut pas se dire je n'ai pas de nains, j'aime pas les nains. Déjà c'est du racisme envers les nains, ok. On va garder cette tête là, hein, voilà. Plus rose, moins rose, bronzé, pas bronzé. Allez, les cheveux, on va se mettre Kung Fu Panda. Oh les coupes de ouf toi. Oh, ça fait trop bizarre. Bon, il a un chiffon, on dirait un... Attends. Ça me donne envie de teinter un truc. Arigato gozaimasu. Ouais, bon. C'était marrant. Je cherchais pas. Oh, la moustache. Oh, la moustache, elle est magnifique. Oh, bah, celle-là, elle est encore mieux. Bon, tu sais quoi? Non, celle-là, elle est bien. Avec les hairs, les cheveux, on va se mettre un petit... Non, ça va pas du tout. Ça, c'est très, très bien, ça. Ça fait très aristocratique. Attends, on n'a pas de chapeau. Les fringues, on n'est pas obligé. Torse nu. Non, on va se mettre torse nu, j'aime bien. Les gloves, bon, si t'appelles ça des gloves. Les legs. On peut vraiment être à poil. Ouais. Chaussures, pas chaussures. Bon, de toute façon, t'en as qu'une. Et backpack, il n'y a qu'un seul style de backpack. Par contre, ouais, bizarre. Attends. Torse. Ah oui, bon, on va laisser le torse pour que ça fasse un peu dans le truc. Ce qui est dommage, bon, vous avez le choix féminin, masculin, voilà. Enfin, on a d'autres personnages. Donc, comme je vous disais, pour les options, on s'en fiche. Alors, vous avez différents types de jeux actuellement. Au tout début du jeu, le premier mode que j'ai pu connaître, c'était le créatif. Ce jeu est très intéressant parce qu'il y a des mécaniques, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, je vous invite vraiment à y jouer si vous avez un ordinateur, c'est un super jeu. Si vous aimez tout ce qui est mécanique, je veux dire, automatisation, création de... Je sais pas si vous imaginez une porte de garage qui va s'ouvrir différentes manières. Bref, j'ai plus de 200 heures sur le jeu. Je sais pas si vous le verrez, non vous le verrez pas là. Mais voilà, 218 heures au total de jeu, ce qui est beaucoup pour ma part sur un jeu. Hein. Mais sur ce jeu, 200 heures, voilà. Donc s'amuser vraiment à faire avec telle chose, vous le connectez à ça, faire des voitures, des tanks, des vaisseaux, enfin des trucs qui volent. Enfin, vous pouvez vous amuser à faire tout, ça libère la créativité de votre cerveau, voilà. Mais récemment, enfin récemment, bah, ça doit faire 2 ans depuis, ils ont sorti le mode survival, qui nous permet tout simplement de survivre dans le monde de Scrap Mécanique. Voilà, donc j'avais fait déjà 2 trucs, voilà, j'avais peut-être lancé, je me souviens plus. On va, alors, delete, c'est pas grave, on a 1h30 de jeu. Vas-y, new game, ah oui, on va taper un nom, on va taper YouTube. Hein. Voilà, simplement, on s'embête pas. C'est parti, alors, le jeu charge vite, hein, il est sur le SSD. Enfin, non, c'est même pas un SSD, c'est un NVMe. Voilà, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est les nouveaux disques durs, tout neuf, machin, qui vient de sortir. Alors, niveau graphisme, c'est un peu cartoonesque. Un peu à la Sea of Thieves pour ceux qui connaissent, mais moi j'ai toujours bien aimé, ça fait très chill, très très chill. Donc l'histoire est, je sais pas si on va avoir un lore, je crois que oui. Ils vont nous expliquer du pourquoi, du comment, je vais essayer de vous faire le narrateur évidemment. Avec sa chaussette en main, on sait pourquoi il a la moitié d'un chaussette, la moitié d'un t-shirt et voilà, la moitié de son corps quoi. Alors on a la vue première et seconde personne en C, voilà. Moi j'aime bien. Alors on va rester troisième personne, ah oui, alors, donc on est vraiment en AZERTY, c'est bien, pour pouvoir choisir, hop. On peut ranger ou pas? Voilà, on range. Alors, ah mais pourquoi le jeu n'est pas en français? Ah, parce que je l'ai pas mis en français tout simplement, mais le jeu existe en français, ok. Appliquer, voilà, déjà on se met en plein écran, excusez-moi les gars, ça vous a fait un petit bug. On va se mettre en French, moi j'aime bien le French, j'aime bien les Français. J'adore quand on parle français. Alors, on peut se mettre en élevé partout, hein, parce que c'est pas un jeu non plus qui est gourmand, franchement. Sauf peut-être le Bloom là. Ouais, bon, c'est pas beau, hein. Les distances d'affichage sont moches. Bon, allez, c'est parti. Alors, peut-être que le début est. Ouais, le truc est en français. Alors, éteignez le feu qui est dans le vaisseau. Alors, on va prendre ce qu'il y a là.
Et quoi? On pose ça ici. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, alors. Place the builder on the lift. Ah oui. Sur le lift, c'est ça. Oh, ça fait longtemps, les gars, que je l'ai pas pris. Alors, on va essayer de se mettre en... Attends, c'est C pour première personne? Alors, je crois qu'il y a une touche pour ça. Je sais plus c'est laquelle. J'ai appuyé pour... Attends, si on fait ça. Voilà. On la pose dessus. Voilà. Alors là, c'est pour créer un minecart. Mais on va faire ça après. Alors, pour commencer, il va falloir éteindre l'incendie. Alors, pour éteindre l'incendie, il va falloir qu'on prenne un extincteur, j'imagine. Et est-ce qu'il y a un extincteur par là? Oh non! Un micro-ondes. Alors, let's go. Ouais, bon, ouais, en plus il y a une roue qui est ici. Et puis oui, vu que c'est un mode pas créatif, hein, donc vous êtes obligé de vous bouger le fiac. Ah ouais, alors là, pop, 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 on va suivre là-bas. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, je sais où est le truc placé. Oh non, il y a un robot. Alors les zombies, on va dire c'est un mode zombie. Ah oui, non mais il y a un zombie, il va me faire chier. Non? Attends. Hop. Il veut que j'aille éteindre l'incendie, mais si je fais taper les autos, on n'est pas mort. Ah non, donc tout en bas à gauche, on va avoir la vie avec le cœur, l'hamburger c'est pour la fin, et l'eau, bah c'est l'eau. On commence pas quoi. Bon, allez, on va chercher de l'eau parce que c'est d'aller-retour. Pourquoi il n'y a pas plusieurs sauts? C'est pas grave. J'espère juste qu'il n'est pas sorti de l'eau. Ouais, ça va. Moi, j'ai une technique pour les défoncer, vous inquiétez pas. Ils vont pas nous déranger. En fait, c'est ce délire en fait très chill que j'aime dans ce jeu. Après, le son m'a pas l'air foufou. Bon, de voir, option de son. Ambiant. On va monter un peu tout ça. La musique, peut-être pas. Parce que la musique, c'est. Ouais, c'est toujours pas très fort. Voilà. Désolé, les gars. Alors, on va jeter ça. Il y a de l'eau dedans? Ouais, il y a de l'eau. C'est bon, je vais vérifier. Ah, mais bah, il y en a trois, éteintes. Du coup, fallait me le dire. Du coup, comme ça, j'aurais tapé l'alerte en vite fait. On n'a pas de stam. On n'a pas la stamina. Hein. Par contre, on peut courir quasiment illimité. Les petits nains, ils courent vite. Allez, let's go, boy. Par contre, faut penser à manger et boire. Alors, j'avais essayé, je crois, mais j'ai un peu galéré parce que sachant que le tutoriel est en anglais. Après, peut-être que c'est peut-être de ma faute. Je vais essayer de faire quitter et revenir après. Voilà. Il va faire quoi? Find a way to activate. Donc, trouver un truc pour activer. Requiert batterie pour activer le vaisseau. Ça, c'est quoi? C'est des munitions, ça, je crois. Ah, des patates pour le lance-patate. Ouais, les armes dans ce jeu, c'est les lance-patates. Ah, il y a de l'essence en plus dedans. Oh, je crois qu'il faut éteindre l'incendie, il n'y a pas à chier, les gars. Bon, pour le moment, ça, voilà, on s'en occupe pas. Mais en gros, si vous voulez, le lifter, ça sert surtout pour créer des véhicules ou que ce soit n'importe quoi. Même un bâtiment, je l'ai créé dessus, il roulait. Je vous jure que c'est vrai. Sur ce jeu, je me suis tapé de ce délire, vous imaginez même pas. Genre des trucs... Mais what? Pourquoi? Why? Allez, hop, on s'éteint. Alors ça, c'est terrible, par contre. Parce que là, on voit que... Là, on a de l'essence. On va poser ça là. Ouais, c'est en fait, c'est des blocs qu'on pose et qu'on peut pas déplacer comme ça, en fait. Il y a que les blocs qui explosent, je crois. Le toilette, il est... Ah, il y en a qui a explosé les chiottes, c'est le cas de le dire. Il a mangé sushi ou japonais, un truc bien... Micro, on y marche? Y'a quoi là? Vide. Bon, ça, je peux le récupérer. Ça, je vais même le faire tout de suite. Voilà. Et une armoire. Je la prends avec moi. C'est un conteneur. Voilà, je commence à me dire ce que je peux récupérer. La tasse, on s'en fout. La radio! On prend toujours une radio. Ça fait plaisir. Ça aussi, le micro-ondes. Ça peut servir. Pour faire cuire à manger, ça nous évitera de le craft pour rien. Le lit, il marche? Non, on peut juste l'utiliser comme ça. Tout comme les toilettes, d'ailleurs. Magnifique. Les poils sur le torse sont magnifiques, les gars. Alors là, pour déconstruire, on peut pas... alors ça, je crois que ça va être des munitions pour le lance-patate. Je vais les récupérer aussi. Je pose tout ça là en attendant. Une roue de voiture, ça va nous servir pour la voiture tout à l'heure. Requiert de l'énergie. Donc faut qu'on trouve des piles. Alors la voiture, vous savez quoi? Je vais en attendant désinstaller le truc parce qu'il me donne une quête que je veux pas encore. Alors... trouver un moyen d'activer. Ah oui, et du coup les batteries sont là-haut. Bah, du coup, il va falloir faire la voiture. Ça change pas grand chose. Hop, on va faire la première voiture. C'est pas grave. Est-ce que je me souviens bien comment on joue?
Est-ce que je peux taper des choses? Non, je crois pas que je puisse récupérer des blocs dans le vaisseau lui-même. Parce que d'aller là-bas, Pat, l'inventaire en soi-même... Bon, on a quand même un gros inventaire. En vrai, de vrai, il y a un gros inventaire. Faut pas mentir, c'est bon. Bien. Mais on n'a pas de blocs. Là-dedans, il peut y avoir des blocs. Ouais, faut casser, tout simplement, je pense. On a un composant... C'est quoi ça? Comment ils appellent ça? Un kit de composants. C'est génial! Magnifique! On a gagné un composant, c'est quoi? Un kit de composants. Magnifique. Ouh, de la bouffe. Ah non, non, c'est un sac pour les pommes de terre, je crois, pour faire pousser. On peut les manger, mais ensuite on peut l'utiliser pour les armes. Oui, les patates, c'est bien pour deux trucs. Je le savais pas. Enfin, si, je le savais quand même. Voilà, de l'essence. On prend de l'essence, ça va nous servir, vous inquiétez pas. C'est un mode zombie, si on veut, comme on connaît. Alors ça, c'est les circuits imprimés. Je sais pas du tout à quoi ça sert réellement. Durabilité, il est presque mort, le truc, je crois. Bon, bah, écoutez, on va avancer. Alors ça, carotte, ça se mange, hein. Ça, ça se boit. Voilà, on a la bouffe, la faim, la soif. Tac. Alors ça, c'est quoi ça? Graines de carotte. Ça, on va les mettre à part, hein, parce que, voilà, bouffe, faim. Ça, ça va être composant, on va les mettre avec... ouais. Donc on a de la place, hein, dans l'inventaire, on va en profiter. Parce que ça va vite se remplir, c'est pour ça que j'ai pris le contenant tout à l'heure. Alors ça, c'est carotte, je prends. Il les met automatiquement dans mon inventaire. Ça, c'est bien. Il y a des jeux qui se prennent même pas la peine. Oh oui, l'essence, c'est bon. On se croirait dans un Battle Royale en mode dépêchez-vous. Alors ça, le jeu, par contre, on peut jouer en coop. Hein, au cas où, pour les gens à qui ça intéresse. C'est un jeu très sympathique. C'est chill, il n'y a pas d'horreur. Je crois pas que ce genre un jeu jouable à partir d'un certain âge. Hein, genre 2-3 ans. Non, enfin, pas 2-3 ans. Enfin, le mec qui est capable de faire ZQSD. Quoi. Alors là, par contre, le mec ou la meuf. Qu'on commence pas à me dire, ouais, t'es sexiste. Non, pas du tout. Allez, on avance, c'est parti, mon petit Kiki. Je sais pas comment on va l'appeler, lui. Kiki comme Kylian, allez. Oh, wow, je les avais oubliés. Comment Ah oui, non, par anti-fouette. Hein. Attends, on va descendre un peu. Et je vais me préparer à défendre ma tronche. Oh, mais il marche pas très très vite. Mais... Alors, on va les attendre là. On met le lifter. Et on monte. La technique, ils peuvent pas le casser parce que ça, c'est un truc incassable. Bah, je t'attends, mec. C'est pas marrant. Ouais, c'est comme ça que je fais, moi. Je me planque sur mon lifter et... Fais le malin, tombe dans le ravin. Oh non! Monte, 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 monte. Ah, tu peux pas m'avoir. Hein. Tu peux pas m'avoir. Hein. On va me passer en vue un. Vous inquiétez pas, je remonte. En fait, ils font juste descendre le lifter. C'est mon arme de prédilection, le lifter. Voilà. Alors ça, c'est des circuits imprimés. Ça va nous en servir. On va s'en servir. Je sais plus pourquoi. Ah, on a une tête. Alors, les têtes... Pour les gens qui veulent savoir de base le lore du jeu un petit peu, ces têtes là, quand on les active avec un interrupteur, ça fait des bruits. Voilà, ça servait juste à faire des bruits au début. Et il y en a 4 ou 5 ou 7 différents, je sais pas combien, il y en a beaucoup. Mais enfin, allez, on avance, normalement on les a désingués. Après ils sont pas trop compliqués à buter non plus. Mais il y a des différents, il y en a qui sautillent, il y en a qui ont des fours, ils font un peu flipper quand même, quoi, comme ça, mais... Raffiné. Alors, c'est... Oups, ah oui, c'est vrai qu'il faut garder le curseur dessus. Raffiner, ça va nous servir à récupérer du matos. Genre des circuits imprimés, non? Du bloc, voilà, on va ramasser des blocs, c'est bien. De toute façon, on pourra rien en faire des bras. Bon, alors, j'ai même essayé déjà de faire des genres de dinosaures dans le jeu mécanique. C'est-à-dire vraiment avec les pattes qui bougent à chaque fois que t'avances, etc. C'est faisable, hein. Tout est faisable. Les pommes, on va prendre. On va peut-être en manger une, tiens, d'ailleurs. Et... Ça va nous faire du bien. Ça monte pas grand-chose, mais ça sert. Alors, une roue abîmée, ça va nous servir pour la voiture. Alors, utiliser. Alors, là, on a un sac de graines. Comment on clique? Comment on prend? Il n'y a pas de... C'est les mêmes. Ah, y en a... ah, c'est des stacks de 5, c'est pour ça. Betterave, c'est de la bouffe. Ça se mange directement. Alors, ça, on peut pas le récupérer. C'est dommage. Je l'aurais bien récupéré pour pouvoir mettre ça sur la voiture. Mais déjà, on a récupéré un truc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Composants. Alors, au moins le ramassage est simple, clic droit. Alors ça, on le prend, hop, dans l'inventaire. Alors je sais pas s'il y a des dégâts de chute, j'ai jamais tenté. Alors on peut monter vraiment vraiment haut, hein. On peut vraiment monter sur le truc. Ah, coffre. Ah, les coffres, je passerai pas à côté. Je sais pas si vous sentez un peu le chill du jeu en fait. Moi je le sens très bien. Normalement il y a la musique et tout, mais bon. Vous savez quoi, je vais vous augmenter un peu le son. Voilà, là vous entendez le son. Un peu mieux.
Voilà, comme ça il dépasse pas non plus ma voix, mais vous l'entendez. Excusez-moi si vous avez eu des frises. J'ai juste le back window. Bah, y'a personne, bien. Alors, tac et tac. Impeccable. Ça, on va le raffiner, on va récupérer des blocs. Pour faire la voiture, ça va être intéressant. Ouais, c'est bizarre comment il fait, mais vous inquiétez pas, c'est le jeu, il est super bien. Franchement, ça fait même plaisir, franchement, de revenir dessus des années après. Alors, au total, on va voir combien de roules. On en a une. Avec l'état en plus en vert. Alors, je crois que c'est plutôt la rareté, ça, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, ça, c'est l'objet de quête. Alors, ça, c'est. Le palier, c'est obligatoire. Obligatoire. Vous en avez besoin absolument. Ça, c'est pour faire des roues, des tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous faites une rotation, il vous le faut. On a déjà une roue qui est là-bas, donc ça nous en fait 3. Hein, c'est quoi ça? Ça se récupère pas? Ok. Il y a un. Donne ça, moi, je prends. Ouais, il y a un système magnifique, mais je le prends quand même. Je crache pas là-dessus. Surtout sur l'essence, là, on commence à avoir beaucoup. On a un stack de 21 d'essence. Je sais pas si ça remplit beaucoup le moteur. Je me souviens plus de tout, hein, les gars. Mais voilà, pour le moment, on a rien. Oh, il y a un truc apparemment à récupérer, non? J'ai vu un truc appuyer sur E. Oh, dommage. Ah, ça devait être ça. Ah, tu accèdes loin, genre. Ah, ouais, niveau graines, juste ce qu'il faut. Je vais pouvoir planter des plantations. Ça, c'est quoi ça? Produits chimiques. Ok, on le met dans les trucs, mais on sait pas trop à quoi ça sert. Je suis pas parti trop loin non plus. Alors, une tomate. Ça se mange. Attends, ça nous fait que 3 roues par contre? C'est ce que je suis en train de me dire, non? Ah ouais, que 3 roues ou la quatrième? Alors, c'est obligé d'avoir 4. Hein. Je peux pas avancer. Si, tu peux avancer avec 3 roues. Ça va être bizarre, mais c'est faisable. Mais il te faut du coup plus de paliers. Il te faut un palier en plus. Alors, est-ce que je peux monter plus haut? Question pour un champion. Alors, j'ai pas envie de tomber parce que je sais pas s'il y a des dégâts de chute déjà. Alors là-bas, il y a des trucs à récupérer. Il y a des machines qui nous attendent. Ouais, bon, on peut pas en fait. Ok. Alors, je vais tenter voir. Ouais. Oh non! Ouais, heureusement. Magnifique la physique. Il m'a fait rire ce débile. Il s'est ramassé genre comme un caca. Hein, pour pas dire de vulgaire mot. Ou des mots vulgaires. Je sais pas pourquoi je parle de vert. Alors où est-ce qu'on sort? Et, parce que moi je joue pas la carte avec moi. Mais on a accès à la carte hein, je crois, non? Ah non. H c'est pour vous expliquer les basiques du jeu. Oh, ça me rappelle tellement de choses. Comment jouer? Voilà, c'est ça, comment ça qu'on fait une voiture. Ouais, vous mettez ça, ça et ça. Juste pour que ça avance. Mais par contre, il en faut pas 4. Hein. Ça, c'est du mytho. C'est du mytho. Il vous en faut un comme ça pour tourner en haut. En fait, c'est un dispositif de rotation. Ça, c'est pour câblage. Bon, bref. Vous découvrirez le jeu en même temps que les autres. Bon, on ne tombe pas. Parce que j'ai pas envie de mourir. Oh, bah, après, la vie, elle est remontée. Mais il a dû puiser peut-être dans l'énergie, dans la bouffe. Peut-être, alors peut-être que j'ai loupé des coffres. Hein, parce qu'il se peut que les roues sortent des coffres. Alors ça sert à rien. Je sais pas, je crois que les bois on peut le péter. Non, je crois. Oui, on peut péter du bois. Bah, ouais, on va rester en dessous. Alors on raffine, ça fait des blocs. Hein, on va les prendre évidemment. Parce qu'on pourra se faire un camion plutôt qu'une voiture après, au final. Bon, par contre, plus c'est lourd, plus va vous falloir des moteurs costauds ou augmenter le moteur. Et enfin, je vous expliquerai plus tard. On prend du bois, ça pourra servir si on se fait une base ou fermer une base pour pas qu'il rentre. Alors il fait nuit, je sais pas s'il y a un lit. Alors c'est vraiment un jeu assez sympathique. On est déjà à 18 minutes. On va essayer d'avancer un peu. Alors raffiner ça met un peu de temps, mais ça nous en donne pas mal. Ça va nous donner au moins 50 blocs. Et croyez-moi qu'avec 50 blocs on s'amuse. On va pas le raffiner. Voilà, là on raffine en planche. Voilà, on a raffiné 50 de bois, donc en gros un arbre. Bon, peut-être celui-là t'en donnera plus. Je vais aller faire un tour là-bas. À moins qu'ils veulent. Oh, peut-être pas, c'est chaudard, c'est des machines. Oh, des coffres. Oh, je m'en fous. Des trucs, j'ai pas peur des trucs après. Hein. Il y en a qui ont des râteaux au bout des bras. À la distance d'affichage est bizarre. Peut-être que je peux obtenir du matos sympa. Après, je sais à peu près où je suis. Hein. Il suffit juste de suivre la pelèche. Au pire, on va faire le tour des coffres. On a encore de la place d'inventaire. Ça, tranquille. Des graines. Et que ça, je veux que ça soit avec toi. Ils vont venir m'embêter, c'est sûr. Il m'a vu.
Like a boss. Là, 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 là. Je suis très haut là déjà. Alors on va passer en vue première personne. Ah, je peux pas descendre de bas. Oh salopard, salopard, salopard. Aïe 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 aïe, ça fait mal, attends. Mais non, pas B, C. Oula. Toi t'es un ch... Oh chaud chaud lapin. Ouais. Oh je l'ai déglingué par contre. Oh oh. Ah y'en a un encore. Attends mais je suis en train de manger sa race. Je suis grave en train de manger. Laisse-moi tranquille. Quand je vous dis qu'ils rigolent pas, les machines ils rigolent pas. Hein. Surtout quand ils sont deux à taper en même temps sur le lifter. Ouais la fin est la soif, je sais. Alors le truc. J'arrive à pied d'ailleurs. Ça va vous permettre de vous soigner pendant encore un instant. Alors, faut éviter de tomber, parce qu'ils peuvent vous faire tomber, c'est con. Encore un étage. Voilà. J'essaie de gérer, de garder. Voilà, de garder une bonne hauteur. Ouais, le lifter est grave cheaté. Par contre. Salopard! Ouais, j'ai perdu trop de vie. Arrête! 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 Hop là. Oba hop, barbatruc. Oh, j'ai loupé. Oh non, j'ai loupé ma touche parce qu'en fait, il y a le micro qui est devant mon clavier. Ah! Ah, c'est sauvé pour la vie. Toi, tu vas graille. Je remonte juste un peu dès que ça redescend. Voilà, c'est fait. Fini. Alors, je crois que ça, c'est du métal qui me donne un genre de métal un peu mélangé. Ça m'en donne 10 à chaque fois. Métal abîmé, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est des fois plus costaud quand vous faites une base. Parce que vous pouvez vous faire des pièges, etc. Après, mais c'est pas encore tout de suite. Pour le moment, on va être en mode nomade. Le temps de s'établir quelque part. Et ben voilà. Et c'est pas magnifique. En plus, j'ai tout récupéré. Impeccable. On va peut-être manger. Tiens, en parlant de ça, je vais manger un navet. J'en ai plein. C'est Céline, c'est là-bas. Allez, mange un coup de navet. En plus, c'est bien, ça donne la faim et la soif. Par contre, faut pas abuser parce que les coffres, c'est pas H24, hein, les coffres non plus. Là, on a l'air d'en avoir beaucoup. Tu les prends. T'as des graines. Faut se dire, ouais, c'est pas pour rien que t'as des graines. Allez, nombre de bordel que je vais avoir pour rien. Je sais pas si ça sert vraiment. J'aimerais bien trouver une roue. Alors, je pense. Non, on peut pas. Il y a des trucs, c'est vraiment du décor. On voit pas grand chose, y a pas de torche hein, dans le jeu. Y a un truc qui brille là-bas ou c'est. Ah oui, y a un truc qui brille. Ouf, c'est encore du métal. Ah, il y a des vaches. Oui, aussi, c'est marrant. Hop, il y a du maïs géant. Je crois qu'on peut récupérer de la bouffe dessus. Si je me souviens bien, hein, c'est dans mes souvenirs, c'est j'ai pas dû lancer le jeu depuis plus d'un an. Si c'est pas deux. Allez, on va avancer. Peut-être que ce bâtiment cache quelque chose d'intéressant. Eh bah, tiens. Oh, salaud. Allez, viens, Michel. Il a de la chance que j'ai pas de lance-patate. Eh oh. Mais il est complètement débile. Vous pensez qu'il a vraiment un champ de vision? Alors si je viens par derrière. Oh salaud! Oh mon salaud! Ils ont une tête en plus à faire flipper quoi. Excusez-moi, mais il faut flipper un peu. Autobot. Allez, vas-y, fais descendre. Oh genre. Je crois que je vais m'amuser à faire ça quand. Hello my friends. Hey, il m'a vu. Bah viens. Et voilà, c'est fini. Ouais, quand t'as l'habitude, après c'est bon. Mais quand ils sont 4 ou 5, ça devient dur. Hein. Jouez-vous. Alors là, quand ils tapent le lifter, ils le cassent pas vraiment. Mais ils font descendre dans un étage ou deux, quoi. Donc à chaque fois, faut penser à remonter, faut taper. Faut pas tomber aussi, parce que ça peut arriver. Ouais, je vais aller graines, j'ai pas quoi en faire, moi. Alors je suis déjà dans le mode survie, on va dire. Là. Hop là. Ouais, ce serait bien de faire la voiture à la fin d'épisode, ce serait cool quand même. Après, vous me dites, les gars, si vous avez vraiment kiffé ou pas. Après, je pense pas non plus, parce que c'est pas un jeu qui attire forcément tout le monde. Il est bien spécifique à lui-même. Hein. Je connais pas d'autres jeux dans ce genre-là. Alors, pour monter en haut, bah, faut faire des escaliers avec ce que vous avez chopé. Alors, des carottes et de la quoi boire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je crache pas dessus. Ah bah non. Non, non, même pas besoin de faire un escalier quand t'as un lifter.
Le lifter il est assez haut en plus. Par contre pour sauter... Alors le lifter sera pas assez haut là, c'est certain. Oh quoique, je parle un peu vite moi. Attendez ça un coup. Alors je le fais avec les flèches. Alors est-ce qu'il y a moyen de changer ça le keybinding? Possible ou pas? Ouais, il y a possibilité. C'est les deux flèches du haut, je vais les mettre sur les boutons de souris. Alors c'est les deux flèches, elles sont où? Attendez, flèche directionnelle, au bas, voilà. Rotation suivante. Ah! Ah! Ça peut être chiant, ça, j'avoue. Bah non, alors. Bah si, mais non. C'est chiant parce que la souris, genre, c'est. Ça, c'est pas utilisable. Ouais, je suis en train de me dire est-ce que je peux utiliser d'autres touches, mais. Ouais, ouais, vas-y, pire des cas. Voilà, parce qu'en fait, rotation précédente et je l'utilisais souvent, ça. C'est plus simple, en fait, d'utiliser ça. Parce que quand t'es là et que tu dois poser, tu fais pas. C'est sur ma souris direct, pas chercher de l'autre bout du clavier quoi. Ah ouais, quand même. On est à côté quoi. Alors on va devoir mettre quelques hauteurs en dessous de moi. Hop. Ah oui, bah voilà, c'est à ça que ça servait. C'est shift quoi? Attends, moi ça marche? Ah non, ça marche pas. Ouais, avec les bailing c'est cool. Hein. Rotation suivante, suivi des filements vers le bas. Oh, ça va être chiant ça. Baisser le cric. Oui, c'est pas grave. Oh, oui, en fait, ça enlève certaines touches. Faut juste faire gaffe. Attends, je vois pas. Faut qu'il soit vers le haut le truc. Attends. Ah, c'est bon, ça suffit. En fait, tu fais ça. Tu peux sauter, après tu peux en mettre en dessous de toi. Hein. Hop, faut faire ça. Hop. Ah oui, c'est du. Ah, j'ai toujours eu du mal avec ces touches. Voilà, on fait comme à la Minecraft. Ça fonctionne très très bien. Confirme. Oh mon salaud! Oh ouais, trop de chance quoi. Ah oui, non, mais c'est toujours pas cette touche là, moi j'ai un problème. Alors est-ce que je vais pouvoir monter ici? Ou normalement oui. Attends, peut-être pas tout de suite. Ah mon salaud! Mais sérieux! Tout sauf moi, il monte quoi. Ah ça, ça marche encore la touche. Oh bah écoute. Oh oh. Vous entendez peut-être les machines? Ce serait bien de se dépêcher. Voilà, ça fait une petite plateforme. C'est pas grave, ça coûte rien. Ça m'évite de tomber. Ah, ils sont en train de buter des vaches. Ah oui, c'est vrai qu'ils butent les vaches. Allez, vers le haut. On va se faire un petit escalier. C'est pas vraiment terrible, terrible l'escalier. Ouais. C'est pas terrible. Attends. Ah, pu. Ah, si. Hop là là là. En plus, il y a des trucs. C'est pas grave, si ça tombe, je récupère. Plus tard. Allez, ça, on va prendre. Carrément. Ah, niveau essence, j'ai ce qu'il faut, les gars. Ça, on va pouvoir rouler pendant des lustres. Prendre, comme j'ai dit, plus le véhicule est gros, plus vous rejetez des moteurs, quoi. Et en général, un moteur en mode survie, c'est déjà pas mal d'en avoir un. Et du coup, plus vous en mettez, plus ça consomme. Ça reste logique. Après, sauf si vous baissez la vitesse. Bon, enfin, on veut pas non plus un poids lourd, quoi. Semi-remorque. Après, c'est faisable. Hein. Les semi-remorques, c'est largement faisable. J'ai jamais essayé d'en faire des semi-remorques. C'est un peu spécial avec des blocs de faire ça qu'en bloc. Et seulement en bloc. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ouais, des graines de carottes. Je demande bien ce que je vais en foutre de toutes ces carottes, moi. Je suis même pas sûr d'une bouffée. Alors, vas-y. Essence, graines, graines. Essence, graines, graines. C'est la gangrène, c'est la gangrène. Allez, on va pas tarder à y aller, ce serait bien parce que là. Alors, les cocos. Ouah, j'ai cru que j'allais me fumer. Allez, on descend. Ah oui, c'est vrai que c'est ça maintenant pour le lifter. C'est plus simple, 10 fois plus simple. Allez, fini. On va passer sur le truc à bloc. Ah, salaud. C'est pas grave. Ouais, ça se casse un peu la tronche. Voilà, comme ça je récupère mes blocs et tout. Bon, après, j'ai pas besoin de récupérer le lifter. En vrai, je peux faire ça. Mais bon, je trouve ça sympa de le récupérer. Ça fait plus RP. Alors, faut aller là-bas. Allez, c'est parti, mon kiki.
On n'est pas trop loin, hein, ouais. Mais là, si on tombe pas sur une machine... Ah oui, par contre, on est monté là-haut tout à l'heure, je crois. On m'appelle pas Joe. Ah ouais, par contre, pour la rotation... Ah ouais, ça, c'est un peu naze, parce que j'utilise surtout 1, 2, 3, 4, plutôt que d'utiliser ça, ça va plus vite. Parce que je sais ce que... C'est plus précis, quoi. Alors, est-ce qu'on est loin? Non, on doit pas être très très loin du truc. Ah, ça fait déjà 30 minutes, quand même. Je trouve que c'est long, 30 minutes. Après, voilà. Le feu a repris ou pas? La voiture, je vais pouvoir peut-être l'actualiser avec 3 roues, mais j'aurais pas assez. Attends, j'ai pas de. Attends qu'on soit d'accord. J'en ai 15 ça. Je pourrais mettre qu'une roue quoi. Un unijambiste quoi. Après, ça marche. Ouais. Mais, alors la roue, je l'ai avec. Ça me fera une roue en plus. Ça me fait une belle jambe. Alors, ça fait 3 roues. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai que 3 roues. Alors, hop, on requiert batterie. Trouver comment activer la batterie. Mais là j'ai quoi là, en fait? C'est quoi ça attends que j'ai récupéré tout à l'heure? Ouais, c'est produits chimiques, là c'est quoi? Kit de composants. Je crois que ça doit être ça. Attends. Attends, voir. C'est quoi ça? Ah bah c'est là. Ah bah voilà, c'est pas con. Ça va pas péter hein. Voilà, là on peut fabriquer des objets. Un moteur à essence abîmé, on a tout ce qu'il faut. On va le fabriquer, ça va être 30 secondes. Ça va obliger aussi mais j'ai pas assez de bois. Regardez. Alors après c'est quoi ça? Un siège abîmé c'est pour passager ça hein? Ça va falloir obligatoirement on va calculer à peu près combien on va en avoir besoin. Une roue. Ça coûte pas spécialement cher en vrai ça va. Les boutons c'est quasiment obligatoire. Ça c'est un bouton poussoir, c'est surtout pour les klaxons et tout. Alors lui il va être obligatoire aussi, je le fabrique. Je vais pas faire qu'un à la fois. Je sais pas vraiment à quoi ça sert le bloc à carton. Peut-être pour stocker des choses. Voilà, on va pouvoir commencer le véhicule déjà les gars, c'est cool. Hop, comme ça on fait le véhicule pour tout simplement la fin de l'épisode, c'est cool. Par contre, il va falloir que je cherche du bois. Le temps qu'il se passe, je vais chercher du bois. Voilà, là c'est le kit véhicule, en gros. C'est juste pour remplir la mission, mais en vrai je vais faire un véhicule, ça c'est pas un problème. J'ai pas oublié. Ouais mais attends, ça hip hop. Ah mais c'est trop bien. Attends, le bois je peux récupérer ça? Non, zombie. À moins que je l'ai pas pris tout à l'heure, peut-être. Oh bah tiens, il y a lui là-bas. Pff, pas vraiment dangereux. Quoi. Ils font pas spécialement peur. Sauf quand ils t'attaquent par derrière et que tu t'attends pas, t'attends. Ah, niveau graines, mais. Ah oui, non, mais ça. Ah oui, après tu peux t'amuser après. C'est quoi, c'est une caisse? Les sacs à graines, les sacs à graines. Du. Quoi, pour faire pousser quoi. Ça, c'est quoi? C'est une. On va la récupérer, ça fait une lampe. Moi, je récupère. Alors là, il t'explique en gros. Tu prends ça, tu pousses, tu fais pousser ça ici. On peut tenter ça, les gars. On va tenter de pousser, de faire une pousse par terre, tiens. Ah bah c'est tombé, j'en ai en là. Mettre à terre. Mauvais ça. Oh là là, oh là là. Bah viens ma poule. Il a vu une vache. Ah non, c'est une. Oh la vache. Je vais la tirer. Viens là là. Bah t'as pas fait long feu toi. Bon je disais, en fait tu fais ça et après tu arroses. Ah vous savez quoi, je peux laisser ça. Bah le problème c'est qu'on a pas de carte. C'est un peu dommage qu'on ait fait qu'on ait pas de carte. Parce que du coup bah tu sais pas trop. Bah tu sais quoi, on peut planter quelques-uns. C'est quoi, c'est pour les patates ça? On va planter quelques trucs. Histoire de dire, pour faire joli. Pour utiliser. Attends je crois que j'ai déjà des seaux. J'en ai 36 000. Alors, je suis parti normalement pour chercher de autre chose, mais je voulais tenter parce que ça je l'ai jamais fait. Il t'explique à peu près. Et après ça donne ce qu'il faut. Voilà, ah oui d'accord. Il n'y a pas possibilité d'en faire 3 en même temps. Peut-être si tu les colles, comme là. Non, c'est vraiment un pain. Asbrock le mec. Après tu peux faire plusieurs sauts. Après je crois qu'il y en a... Ah, il y a déjà des trucs à faire pousser dans le coin. Ils sont déjà plantés, tant qu'à faire, on va le faire. Hein. Vous allez regarder l'épisode en deux fois, le matin avant d'aller au boulot, machin, et après. Ouais. Ou à l'école, ou ici. Ah oui, d'accord, en fait, faut vraiment bien le viser, et voilà, c'est tout. En fait, c'est vraiment un. Ça, c'est relou, ils auraient pu faire un truc plus simple. Hein. Je dis pas, mais un truc plus simple, ça aurait été bien aussi. Je l'ai loupé. Faut viser plus bas. Voilà. Normalement, si je suis là, en plein dedans. Impeccable ça!
Et maintenant quoi? Après, tu mets de l'eau. Tu mets ça, tu mets la graine. Tu prends de l'eau, tu poses de l'eau. Là, tu prends... Je viens de récupérer ça. Il y a un peu de fertilisant. Je vais tester sur les 4. Je sais pas combien de temps. Et après, tu laisses un peu de temps et ça va... Ça va pousser. Là, ça va mettre plus de temps à pousser. Je crois pas que tu es obligé de mettre ça. Ils appellent ça comment, fertilisant, ça? Engrais. Ouais, fertilisant, engrais, c'est pareil. Ah, du coup, faut les récupérer, ça. Alors là, là, les morceaux de bois, ça, je les récupère. Ah, de ferraille. Pour les camions et tout. Bon, c'est lourd, mais ça te fait toujours ça. Ah, ça, c'est un bloc. J'en veux pas. Ça me récupère un toit, des trucs en métal. Surtout le métal, ça peut être intéressant. Après, ça, c'est du bois. Donc, vous me direz, j'en aurais besoin. Bon, t'y prends. Hop. Ouais, je récupère surtout le bois. Le métal, je le vire, t'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se récupère et qui se brûle ou qui a besoin de bois pour crafter, ça sert. Ça, on s'en fout, c'est pas du bois. Du coup, ça, c'est pas du... Oh, il y a une roue. Oh, ça m'évite d'en crafter une. J'en ai combien, du coup? 4. Voilà, pas besoin de crafter, je les récupère. Ah, magnifique. Ah, j'en ai deux du coup. Bien, gratos. Mais c'est bien pour ça quand c'est gratuit. Quoi qu'ils l'ont mis? Ah, c'est un faux pied. Ok. Je suis en train de me dire. Attends, peut-être ça se casse. Ah oui, ça se casse, mais ça se récupère pas. Le mec dans la bulle, pète tout. Bon, on était là normalement pour récupérer du bois quoi. Vas-y, taper le gros arbre. Trop gros pour la masse. Ah, peut-être qu'après on peut faire des haches. Ouais. Ah ouais, tu peux faire ça comme ça? Je peux emporter beaucoup comme ça ou pas? Ah, peut-être. Est-ce que je peux? Ouais, non, je peux pas. On va le raffiner tout de suite, c'est plus simple. Mais arrête de bouger, ta... Et voilà. On a raffiné un peu de bois. De toute façon, on a besoin pour le craft. Tant qu'à en prendre. C'est un peu long les gars, l'épisode, je suis vraiment désolé. Mais tant qu'à avoir un... On va péter complètement là. Un peu long à péter, mais vous inquiétez pas, ça va servir bientôt. Plus t'en as, et en fait le poids il compte pas. Hein. Après il faut boire un coup parce qu'il commence à avoir ça le petit personnage là. Ouf, ça va mieux d'un coup. On n'en boit pas parce que après ça va être utilisé pour rien. Arrête de bouger, arrête de bouger. Allez, let's go, c'est parti. Tout le monde y croit, let's go. Ah, c'est bien ça, ça en donne du bois? Ah non, ça donne pas de bois. C'est bizarre, hein, le fonctionnement, tu fais tout à la masse, mais dans ce jeu, ça me paraît logique. Ah, il sauvegarde ce que t'as déjà commencé à bouffer. C'est bien ça. Là, je pense que j'en ai pas mal. Hein. Niveau bois, je suis bien. Je suis même très très bien hein, niveau bois. Mais bon. Ah, il reste beaucoup. Ouais, vas-y, c'est pas grave, c'est déjà bien. Après, je sais pas si ça a poussé ou pas encore. Non, pas encore. Je sais pas s'il faut attendre longtemps. Ça se récupère ou pas non? Non, ça se récupère pas. Sinon, j'aurais récupéré et posé plus loin pour dire c'est ici que j'ai planté. Bon, en tout cas, à côté de l'épave du vaisseau. Hein. Tu as de la fumée au loin, tu sais que c'est par là-bas que t'as planté. C'est ça le problème quand t'es nomade. Parce que tu peux pas prendre de la terre. La terre, tu peux pas la prendre. Pour eux, la terre, c'est sacré. Voilà, place. Oh, il y a encore un truc là-bas. Attendez, ne bougez pas, je vais commencer à crafter les choses. Je récupère mon outil. Après, faut que je compte. Alors, ça, il me faut. Donc je compte combien il m'en faut. Il m'en faut 2 pour les directrices et 4. Donc 6. Il m'en faut 6 au total. J'en ai déjà 2. Faut que j'en crafte plusieurs. Donc j'en crafte 4 au total. J'attends juste qu'ils finissent. Je vais prendre après, vous savez quoi, l'interrupteur. J'espère juste que c'est pas 30 secondes à chaque fois parce que ça m'en fait 4. Ah bah dis donc, en attendant, je vais aller faire hein, mon véhicule. Je me souviens que mon premier véhicule il ressemblait à rien.
Et c'est vraiment un truc de base. Après, on a des trucs de merde à mon avis parce que... Ah, on est vraiment blindé. Waouh, on est blindé. Ça, c'est des trucs qui servent pas vraiment. Ça non plus. Ah, est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas stack? Ça, ça va me servir pour faire le véhicule en vrai après. Mais vous savez quoi, je vais les poser quelque part, comme ça ils disparaissent pas. Et voilà, hop, je vais les poser là. Je vais mettre ça ici. Un à côté. Alors, oh, on va mettre ça là. J'espère. Ah, ça me dérange pas trop pour l'accélération. Ça me libère 4 là. Hop, ça je récupère ça. J'ai dit 4 comme ça. Ah ouais d'accord, c'est long en fait la fabrication du truc. 15 secondes. C'est 15 secondes perdues. Alors ça je sais pas du tout si le carton c'est vraiment aussi un... On va tenter de faire un carton après. Non, ça fait 1. 2. Ah, il fait des petits bruits, il est mignon. Alors ça va faire 2. Encore 2. On est désolé les gars, c'est obligatoire. 2 pour la direction et des autres c'est pour tout simplement pour que ça roule. Après vous pouvez rajouter des suspensions aussi. Il y a des suspensions, mais là, alors pas de suspension, t'as plus quoi. Et encore un, hein, il y en a deux. Encore 15 secondes à attendre de. Voilà. Je fais pas de coupure. Les mecs m'ont dit, tu mets pas de coupure dans tes vidéos, c'est chiant. Ah, d'accord, bah, je mets pas de coupure. Totalement. 0. Après ça se stack ça. Alors on va prendre un interrupteur. Parce que c'est obligatoire, ça va me servir pour les phares. Quand il fait nuit, bah oui, il y a la nuit aussi dans le jeu. Je ne sais même pas s'il y a des lits, pour vous dire. Mais je vais essayer de me faire une genre de caravane. Ça peut être pas mal. Je vais regarder si ça, ça peut stocker des choses ou pas. Fois 20. Je sais pas trop. Ah, il t'en donne 20. 20 cartons. Ça va. On récupère ça. Et on fabrique un carton. Oh, c'est rapide les cartons à fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des cartons? Tiens, je vais. Avec du carton, tu veux que je fasse quoi? Du carton en fait. Mais c'est nul! C'est nul! C'est de la perte de bois pour rien. Le carton, il y en a déjà là. Ah, tiens, il y a un phare! Intéressant, il y a un interrupteur et un phare. Les lumières se récupèrent pas, mais je regarde vraiment ce qu'on peut vraiment récupérer. Les tuyaux, bon, ça sert pas à grand chose. Le petit canard. Aïe! Ah oui, ça brûle. Le feu, ça brûle. Non, je... Allez, on va faire la voiture et après on va se laisser parce que l'épisode va... Ah, il fait déjà nuit. Alors, j'espère que vous y verrez quelque chose. Normalement, vous voyez même mieux que moi. Voilà, en gros, il nous montre un peu le plan d'un véhicule basique. Mais je vais le faire pour, juste pour pouvoir qu'il me laisse tranquille. Quoi. Je vais mettre du bois, parce qu'on s'en fout. C'est pour le véhicule. Quoi. En fait, ça vous fait déjà... Alors, par contre, ouais, c'est 5. Voilà, comme ça. Tac, ils m'apprennent juste à faire un véhicule basique, mais bon, je sais déjà le faire. C'est pour ceux surtout qui connaissent pas le jeu. Alors, là, on va mettre 1, 2. Voilà, comme je vous dis, c'est tape cul, il n'y aura pas de suspension. Alors, les roues, je les ai ou pas en stock? C'est juste pour faire joli. Hein. De toute façon, après, peut-être l'épisode prochain, on fera un vrai véhicule. Ah non, c'est pas bon ça. Ça, ça roule pas ça. Ah, pas la place du grillage, je sais même pas pourquoi j'ai pris le grillage. Alors là, je sais pas du tout ce que je fais. Alors normalement, t'es obligé de mettre ça, sinon bah, ça roule pas. Ça paraît logique après tout. Voilà, les roues sont pourries. Hein. On peut avoir des. Ah, du coup, ça va être un peu. Ils nous apprennent juste à faire vraiment un véhicule de A à Z, mais ça me fait chier. Voilà, je veux pas le dire, mais voilà, vous avez compris. De A à Z, ça, je savais très bien le faire. Bon allez, on prend les deux dernières roues que j'ai récupérées. J'ai tout récupéré, j'en ai aucune craftée, je crois. Une sur la brouette et l'autre... Ah, loupée, la roue est loupée. Elle est là-bas. Voilà, on le fait descendre. Ah oui, c'est vrai que j'ai appuyé sur la touche. Ils veulent que je pose le moteur, ça tombe bien, il est dans mon inventaire. Ils veulent le placer parfaitement comme eux, vas-y.
Ah et c'est de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça il est content. Voilà. Et après il faut prendre notre outil pour connecter la totalité des choses entre eux. Alors ça, ça va au volant. Ça, ça va au volant. Ah ouais, lui c'est pas bon. Voilà, ça faut changer. Le moteur, on va le faire passer en deux roues motrices, je pense. À moins qu'il veuille que je fasse passer ça tout. Ah oui, connexion. Ah ouais, t'es à deux. Et bah quoi. C'est bon normalement. Ah oui, pourquoi. C'est vraiment naze, hein. C'est un véhicule tout pourri ça. C'est juste pour rouler 2 mètres quoi. Et bah quoi. Il manque quoi. Ah le. Et quoi. Ah oui, c'est vrai, pour que ça puisse démarrer le moteur, je suis un peu bête. Mais... ouais, il faut une rotation à changer là-bas, sinon ça, ça roule bizarre. Congratulations, add gasoline. Ouais, bah, je vais t'en mettre qu'un seul de gasoline, mon frérot. Arrête de bouger. On va t'en mettre qu'un seul pour pas bouffer trop. On va en mettre qu'un tout petit peu, quoi. Ah non, ça, c'est pour. Il est abîmé et du coup, ça bouffe un petit peu. Alors, je peux pas en prendre un. Voilà, ça y est, je voulais qu'un seul pour éviter de. Trop bouffé. Quest completed. Voilà, il voulait juste que. Oh, c'est naze. C'est pourri. Ah, par contre, le moteur est genre trop fort. Attends. Ah, oh, il est beaucoup trop fort le moteur. Je le... ah, je peux pas le baisser un peu. Parce que si on le met trop fort. Oh, aïe, aïe, aïe. Hop là. Arrête-toi. La roue qui tourne dans le vide. C'est nul. C'est un véhicule nul ça, mais bon on a fait un véhicule. Allez, on récupère la quest. Après on va mettre tout ça dessus. Le moteur non, il va supporter. Quest completed. Find the mechanic station. Alors les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager si ça vous a intéressé aussi. Et puis bah, à suivre le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. C'était Joe, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. La bise à tous.